Qu'est-ce que c'est le civisme? Je sais pas. Bah, c'est bizarre. On n'a jamais appris ça. Je sais pas ce que c'est. Et comment ça s'écrit? Avec un Y ou un I? C'est quelque chose qui s'achète ou qui s'acquiert? C'est peut-être un jeu ou quelque chose de collectif. C'est peut-être le respect avec de la nature ou envers les autres. C'est peut-être être un bon citoyen. Mais c'est pas écrit quelque part là sur les murs, je sais pas. C'est un truc avec la ville, avec le pays, avec le monde. Moi ça m'intrigue hein. C'est peut-être pour la sécurité ou protéger les autres. Mais c'est pas que pour les grandes personnes ça. Qu'il est bête lui, c'est pour tout le monde. Ah mais je sais, je vais chercher sur mon téléphone. Alors, civisme. Le civisme, du nom du mot latin civis, désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont sa loi. Ce terme s'applique dans le cadre d'un rapport à l'institution représentant la collectivité. Il s'agit donc du respect de la chose publique et de l'affirmation personnelle d'une conscience politique. Ah. Ok, j'ai compris. Un exemple d'incivilité, je vous donne un. Les déchets, je ne supporte pas. Hop, ça on vire. Il y a beaucoup trop là. Ok. Ah, ça rentre pas. Oh, à toi, boire trop de bière, bon bah. Bah super, et j'en fais quoi moi de ça du coup maintenant Bah on s'en fout, laisse-le à côté, c'est pas grave. Bon ok, je le laisse là. C'est pour ces deux chiens recyclables, allez. Oh, ça rentre plus, mince. T'énerve pas, cool la vie. T'en as qu'à le laisser là. Oh, vous allez où là? Mais vous savez pas lire? Il y a écrit « Dépôt sauvage de déchets interdits ». Et l'amende peut aller jusqu'à 3000 euros, il y a écrit, là. Ah ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, vous faites preuve de civisme. C'est pas compliqué. Si ça déborde, vous allez dans un autre conteneur de la ville, il n'y en a pas qu'un. Et si tout est plein, et ben vous allez à une déchetterie, comme à Unheim ou à la Fontenot.